بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم « Innaka hamidun wajid »« Wa radallahum wa anil khulafa ir-rashidin »« Wa sahabata ijma'in »« Wa mantabihum bihsani la yawmidin »« Amma badu »« Assalamu alaikum »« Wa rahmatullahi wa barakatuh » Mes soeurs, mes frères, les louanges, les éloges, les remerciements de Sir Kovivan qui ne meurt pas, Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienfaisance d'une part, et sa, justi sa justice de l'autre. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue. Bienvenue en ce mois béni dans une assemblée de rappels, les jardins du paradis. Ce rappel, parce que le rappel profite aux croyants, comme Allah subhanahu wa nous le dit. Allah est généreux, nous le savions, mais encore plus généreux qu'on ne peut l'imaginer. Allah subhanahu wa a facilité la vie aux croyants, et notamment à cette communauté de Mohammed à qui... Il a envoyé le meilleur des hommes pour confirmer, corriger et compléter Donc, sa religion, la religion qu'il agrée, je veux dire l'islam. Comme il l'affirme dans la surah Al-Imran 3, verset 19. Il a dit à l'islam. Allah a tout facilité. En effet, parmi les facilités qu'il a accordées à cette communauté, c'est le fait que la communauté a besoin de bouger. La communauté n'est pas sédentaire. et Allah a permis le voyage licite, bien entendu, quand l'intention est de rendre visite aux parents. L'intention est d'aller chercher à travailler. L'intention est d'apporter quelque chose d'utile à soi-même ou à, aux, aux créatures d'Allah, subhanahu C'est ce qu'on appelle le voyageur qui va hésiter peut-être même pour voyager, surtout pendant le mois de Ramadan. Et Allah, subhanahu wa de lui a facilité, comme il a tout facilité, pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan. En effet, Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agré ainsi que son père, rapporte du professeur sallam, dans un hadith authentique, rapporté par les deux en matière de. les deux références en matière de hadith. Je veux nommer l'imam al bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah le fasse, tout de miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. Ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant. Dans la Surat al-Baqarah, après avoir, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qu'il a révélé, il a révélé notamment que le jeûne est fait pour qu'on atteigne la piété. Verset 183. Il a révélé dans le verset 184 que le jeûne, c'est mieux pour nous. Comme l'a dit le prophète, jeûne, il n'y a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent quand il a conseillé à qui il a conseillé. Que vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Et donc, les gens pensaient parfois, et même aujourd'hui encore, que mieux vaut jeûner quand on voyage, à partir de ce verset. C'est l'avis de certains savants, bien entendu. Mais mieux que nous tous, le prophète Mohammed, un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un lui a dit Moi, je peux jeûner en voyageant. Il lui a dit, alayhi tout ne pas jeûner en voyage, c'est un cadeau divin. Rukhsa, c'est une permission qu'Allah donne. Et Allah aime que l'on accepte sa permission. Mais si tu veux, jeûne. Et Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'a que ainsi qu'Anas ibn Malik, qui rapporte séparément, dans chez l'imam musulman, ce qui a été rapporté, il a dit que les compagnons du prophète voyageaient, certains jeûnaient et d'autres ne jeûnaient pas. Et personne ne reprochait. Ce qui gênaient ne reprochez pas. Ce qui ne gênait pas, ne ne pas gêner. Ce qui ne gênaient pas, ne reprochez pas à ceux qui gênaient de gêner. Donc tout dépend de la situation, tout dépend du contexte, tout dépend donc de la faiblesse ou de la force physique que Allah Subhanahu wa Taala a donné. Avec ceci est aussi valable, même avec les moyens modernes quand on prend nos avions, quand on prend la voiture, quand on prend le bateau, quand on prend autre chose, il est permis de ne pas jeûner comme il est permis de jeûner. Celui qui ne jeûne pas, bien entendu, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, fa man ka'na ala safarin, fa min ukhra. Celui qui est malade ou qui est en voyage, doit rendre le jour plus tard. Et donc, avant l'autre ramadan, on doit rendre ce jour. Si on préfère jeûner pour ne pas avoir à rendre alors c'est un choix que l'on fait en effet le professeur dans le hadith avec lequel nous avons commencé ce n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant c'est un homme, il a, le professeur a vu un attroupement et il a été vers l'attroupement il a dit qu'est-ce qu'il y a, on dit c'est un tel qui est qui est fatigué, qui est tombé dans les vapes parce qu'il jeûnait et il a conclu donc la partie du hadith que nous avons que nous traitons aujourd'hui, il n'est pas signe de piété que de jeûner en voyageant ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un jeûne qu'il est plus pieux que celui qui ne jeûne pas pendant le voyage. Et donc ça veut dire que Allah nous a permis de jeûner ou de ne pas, de ne pas jeûner en fonction de la force, et également en fonction de la piété que l'on va manifester, du besoin que nous avons pendant le voyage. Et on appelle le voyage, donc les quatre écoles sunnites sont d'accord pour appeler le voyage, donc ce, que, ce qui atteint 84 km. L'imam al miséricorde, il dit, à juste titre, il n'y a pas de distance minimale. Le voyage peut être 70 km, comme ça peut être plus long, mais c'est là où on se prépare. On prend un sac à dos ou une valise, on prend de quoi manger, on prend de quoi boire en disant, je vais en voyage. À ce moment-là, il n'y a pas de distance. Mais en général, donc les savants considèrent, de quatre écoles considèrent comme voyage, la distance parcourue, donc par, comme l'a dit l'Imam Al-Bukhari, qui est le titre même d'un de ces chapitres, le voyage, c'est ce qui constitue, c'est ce qui est fait pendant un jour et une nuit. Quand on prend son chameau, aujourd'hui, quand euh, même si on n'est pas un chameau, on déduit que le voyage, c'est ce qui dure un jour et une nuit, et il a été estimé qu'un chameau donc, parcourait 84, euh, 4, 4 barides, 84 à peu près 84 kilomètres. Donc, le voyage, c'est qui considère ça. Maintenant, comme un jour, là, on parle juste de celui qui est en train de voyager. Et il est permis également à celui qui est arrivé, il est en voyage, tant qu'il est considéré comme voyageur pour la prière. Et ceci, si les écoles divergent, mais dans l'école Maliki, on fait dire à, à aux savants de l'école Maliki, quand c'est 4, c'est 4, notamment on l'attribue à notre mère Aïcha, c'est-à-dire quand c'est 4 jours que l'on compte passer quelque part, c'est 4 rakats, c'est-à-dire on ne raccourcit pas les prières. 4 jours, c'est 4 rakats. Donc quand on fait moins de 20 prières quelque part, quand on fait moins de 4 jours. On a l'intention de faire moins de 4 jours, on est en voyage. Donc même quand on est arrivé, on peut manger, on peut boire, donc on peut vaquer à ses affaires sans aucun souci et on raccourcit les prières de 4 à 2. Ceci est permis par toutes les écoles. Maintenant que l'on décide de jeûner parce que on, a, on, on se sent fort pour le faire, parce qu'on ne veut pas profiter de ce cadeau divin, parce qu'on euh, pense que ce sera plus difficile plus tard de jeûner tout seul alors que les gens jeûnent, parce que par pudeur, on essaie des gens qui jeûnent, et donc on veut jeûner avec eux, il n'y a aucun souci. Comme l'a dit le professeur Salam si tu veux, fais-le. Si fais et donc, c'est une liberté que Allah donne à tout un chacun de choisir le plus convenable pour lui, le plus facile pour lui. Celui qui lui paraît être le mieux, en tout cas Allah est généreux, et celui qui il est satisfait de celui qui profite de sa générosité, comme il est, il est exigeant, quand il impose et il n'a imposé que ce sans quoi nous n'atteindrions pas le bien, comme le jeûne. le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos précesseurs afin que vous atteigniez la piété, qu'Allah nous rende pieux, parce qu'Allah n'accepte qu'elle est pieux, qu'Allah accepte de nous et il n'accepte qu'elle est pieux. الله سبحانه وتعالى بنس محمد صلى الله في سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته